Confistoires Les conviveurs Mais non, les confistoires, c'est des histoires qu'on écoute chez nous. Des histoires pour s'évader, rêver, rigoler. Des confistoires à savourer assis dans son canapé, les yeux ouverts ou fermés. On laisse notre pensée s'envoler. Allez, on écoute. La légende du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux, et rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, jaguar observe avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Quati croise Tatou le solitaire cuirassé comme un chevalier. En haut dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux toucans et aras discutent pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible. Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son mec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau, et repart encore et encore, faisant des allers-retours, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit Colibri, tu n'es pas fou Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Aras écrit « Attends, je viens avec toi. » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé. Et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri.